Yellow les gens, ici Zalog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture d'un coffret du dresseur d'élite, édition collector. Donc ça, j'ai acheté à Toys R Us. Et donc pour 20 € d'achat, j'ai reçu une carte comme ceci. Donc là, c'est la Zygarde. Et aussi à Toys R Us, il y a une offre. Je vais à mon tour. Donc l'offre que je vous parlais, c'est les 4 decks qui sont ici. Et qui sont à 25 € les 4, donc soit 6 € à l'unité. Donc j'ai profité de la coupure pour enlever le plastique. Donc dans ce coffret, donc il y aura 5 boosters, 3 cartes promo brillantes avec Lugarok forme crépusculaire, Necrozma aile de l'aurore et Necrozma crinière du couchant. Il y aura aussi une pièce Pokémon, 2 pages d'autocollants haut en couleur. Un mini portfolio pour ranger vos cartes préférées, un bloc-notes Pokémon et 4 crayons, ainsi que une carte à code pour le JCC Pokémon Online. Donc je pose la caméra. Donc moi je vais ouvrir. Le coffret que j'ai mis au fond et donc voici les 3 cartes ainsi que le jeton. C'est magnifique. Donc là, nous avons les 5 boosters. Donc, il y a XY Impulsion Turbo, un XY Évolution, un Soleil et Lune, ainsi que deux Soleil et Lune Ultra Prisme. Donc, si je retire encore, donc là, nous avons les 4 crayons, dont deux à l'effigie de Solgaleo. Non. Non, excusez-moi, c'est une erreur. Donc, il y a deux crayons à l'effigie de Lugarok en forme crépusculaire. Et ainsi que deux autres avec le Solgaleo et le Lunala. Donc ça, je crois que ça doit être les autocollants haut en couleur. Donc là, ceci c'est le bloc-notes qui est vraiment magnifique. Et donc enfin, le petit classeur, comme il disait. Donc je reviens tout de suite, je vais juste l'enlever du plastique. Donc voici ce que ça donne avec une carte à l'intérieur. Enfin, je pensais pas c'est qu'il y avoir, enfin c'est, je pensais pas qu'il allait. Genre fait. Je pensais pas qu'il allait avoir la place suffisante pour mettre une carte plus une protège. Donc ça c'est sympa. Et donc écoutez, je range un petit coup tout le bordel et on se retrouve pour l'ouverture des boosters. Allez, à tout de suite. Et donc c'est parti, donc je vais commencer par le booster. Donc je vais commencer donc par le booster le plus ancien et on va terminer par le plus récent. Donc là en l'occurrence nous commençons avec l'impulsion turbo. Donc le code que je garde. 1, 2, 3, 1, 2. Et donc, c'est parti avec Remoraid. Pikachu. Oot-Oot. Remoraid. C'est pas la même forme. C'est dur ça. Veste de combat, Cochignon, Granbull, Blizzardois en reverse et donc on commence avec une rare. Très bien. Deuxième booster, XY Evolution. Donc le code que je garde toujours, 1, 2, 3, 1, 2. Et donc c'est parti avec Topicœur, Voltorb, Machoke, Caninos, Énergie Eau, Smogo. Oh, et Pikachu volant en rare. J'ai du mal faire mon. Enfin, j'ai du mal compter. Par Spectrum, Dodio en reverse et Canard Tichot. Ah non, en rare. Donc troisième booster, donc c'est un booster de Soleil et Lune.
Ça veut pas sortir. Ah, si, ça y est. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et donc, on commence avec Croquine. Pochion. Paras. Rapace de pique. Flamiaou. Énergie plante. Coraillon. Double énergie incolore. Draco. Potion en reverse et Oratoria GX. Ça me fait extrêmement plaisir. Bon, le seul problème, c'est que je l'ai en double. Mais c'est, bon, enfin, elle est quand même magnifique en GX. Donc, j'étais parti chercher un protège-carte. Donc, oui, donc, comme je disais, elle est vraiment magnifique. Donc, nous passons au quatrième booster. Donc là, on passe sur du Soleil et Lune Ultra Prisme. Deux, trois, quatre. Un, deux. Donc, Tiplouf. Blizzy. Cornèbre. Cricknot. Araquo. Énergie fée. Registre ami. Luxio. Dinoclier. Giratina en prisme. Et Blizzaroi en rare. Giratina en prisme, ça fait plaisir. Je reviens tout de suite. Donc je vous la remontre, c'est vraiment magnifique. Et donc le dernier booster pour cette vidéo. Deux, trois, quatre, un, deux. Donc c'est parti avec Cosmog, Tortipus, Electek, Ceribou, Chaglam, énergie électrique, énergie unitaire plante feu eau, Luxio, Skateboard évasion, Type 0 en reverse et Shaymin en rare. Donc écoutez, donc tous les boosters sont verts. On se retrouve tout de suite pour faire le point. Et donc pour faire le point, j'ai rangé les cartes par extension. Donc de XY, je sais plus du tout. Je crois que c'est Impulsion Turbo, donc Blizzaroi en reverse, ainsi que Dodrio en rare. De XY évolution, Dodio en reverse. Et non, donc du coup là on a eu deux rares dans le booster. Donc la première rare c'était Pikachu volant, une secrète rare plutôt. Le Canardichaud en rare. Dans l'extension Soleil et Lune, donc en reverse, la potion. Oratoria en GX. De l'extension Soleil et Lune Ultra Prisme, dans le premier booster, j'ai eu un Giratina Prisme. Ainsi qu'un Blizzaroi en rare. Et dans le dernier booster, j'ai eu Type 0 en holographique. Non. Enfin, c'est pas holographique, c'est reverse, excusez-moi. Et Shaymin en rare. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!